prince George est arrivé à Wimbledon avec ses parents, le duc et la duchesse de Cambridge, pour assister à la finale du simple masculin du championnat entre Novak Djokovic et Nick Kyrgios. Le jeune prince a été aperçu habillé élégamment dans un costume bleu marine complet avec chemise et cravate alors qu'il entrait au All England Lawn Tennis and Croquet Club, dont sa mère est la patronne, alors qu'il saluait les dignitaires de Wimbledon et le disait timidement à l'un des membres du personnel. Il soutenait Djokovic, le Serbe Djokovic affrontait l'Australien Kyrgios lors du dernier match d'aujourd'hui. Le premier 20 fois champion du Grand Chelem, le second un débutant en finale en simple majeur. Les Cambridge ont été des membres dévoués du public tout au long du tournoi de cette année. Prince George, 8 ans, serait un passionné de tennis et aurait même pris une leçon avec Roger Federer. L'octuple champion masculin en 2018 a décrit George comme un garçon mignon qui avait clairement pris son amour pour le sport à Kate, avec qui le Suisse est ami depuis des années. Federer a joué avec le jeune prince en 2019, lorsqu'il a rendu visite au Cambridge dans leur résidence de Norfolk. Il a déclaré « J'aime voir qu'il aime le tennis ou le sport. Sa mère a toujours aimé leur tennis. J'espère qu'il dira encore la même chose dans quelques années. » George, Kate et William regardent cet après-midi le match décisif depuis la loge royale surplombant le cours central. La duchesse devrait présenter les trophées gagnants et finalistes après le match, après avoir remis le venu Rosewater Dish à Elena Rybakina hier. Rybakina a battu Ongjabeur 3 à 6, 6 à 2, 6 à 2 lors de la finale de samedi.